Bonjour, bienvenue au Le Saint-Germain Clubhouse. Donc je suis Vivienne, j'ai repris ces superbes lieux depuis le 1er mai 2016. On se situe au Camp des Loges, à côté du PSG, même en face. Et donc voilà, on est au milieu, enfin on est en plein cœur du stade Georges Lefebvre, au milieu des terrains de tennis, du hockey, du rugby, du tir à l'arc. Donc on a aussi une belle clientèle sportive. On a une belle salle d'ailleurs qu'on peut privatiser pour les événements. Donc elle peut accueillir jusqu'à, allez, 90 personnes. Et on a aussi une très très grande terrasse au soleil, vraiment superbe, qui pourrait accueillir encore 150 personnes minimum. Hein. On a un cadre vert plutôt particulier et on est très chanceux. Chef cuisinier Kajan, qui est Sri Lankais. On travaille ensemble depuis 2008 et depuis que j'ai repris mon affaire, il est devenu mon chef cuisinier en 2016. Avant de venir en France, il a travaillé en Afrique du Sud, en Arabie Saoudite et en Italie. Donc du coup, voilà, c'est toute une inspiration au niveau culinaire extraordinaire. Il adore tout ce qui est poivre, mais attention, c'est tous les poivres. Le poivre gris, le poivre rouge, le poivre de Sichuan, le poivre de Timut. Il te fait ça, mais c'est vraiment splendide. Et c'est vraiment un plaisir de travailler avec lui depuis toutes ces années. J'adore travailler avec Rajato Osbogo, très monsieur avec Clémentine. Les clémentines, oui, c'est sa petite nouveauté là. Ouais. Clémentine et Grand Marnier. Grand Marnier. Et tu devrais voir la texture du tiramisu, il l'a fait vraiment fluide, comme il faut, et non, c'est pas mal. C'est pas mal. La vente à emporter, on va livrer aussi. Livraison gratuite, je livre moi-même, je préfère. C'est pour garder vraiment le contact avec le client qu'on n'a plus en salle du coup. On choisit certains plats qui sont faciles à réchauffer pour le client chez lui et qui sont tout aussi goûtus. Donc vraiment, c'est vraiment une sélection, comme l'ossobuco par exemple ou le sauté de veau. Et des plats que justement les personnes n'ont pas forcément le temps de préparer chez elles. Donc du coup, c'est, voilà, on s'est dit ça, c'est le plus. Avec notre spécialité, le risotto qu'on décline un peu à toutes les sauces, je crois qu'on peut dire ça comme ça.